Bonjour les Sagittaires, bienvenue à cette roue de l'année 2025 où on va aller voir de maison en maison astrologique et du même coup de mois en mois qu'est-ce qui pourrait arriver pour vous durant cette année 2025 qui arrive à grands pas. Je sais que vous ne voyez pas tout, il y a des petits bouts qui manquent ici et là, mais que voulez-vous, je ne peux pas éloigner davantage la caméra. J'espère que vous allez être indulgent, que vous allez me pardonner cet état de fait. Mais soyez convaincus que vous allez quand même voir toutes les cartes au fur et à la mesure. Donc, c'est un peu une tendance générale, mois par mois, et selon la maison dans laquelle les cartes vont s'établir, qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et à la toute fin, je vais vous faire et le présent et le futur avec l'étoile de vérité et le Yi King. Donc, écoutez, j'ai quand même 5 cartes à mettre par maison. Je vous propose que je vais les installer. Et pendant ce temps-là, je vais vous mettre, je vais faire avancer la vidéo plus rapidement. À ce niveau-là, en vous mettant, j'espère, une petite musique d'ambiance qui va vous plaire. Donc, laissez-moi le temps de tout installer. C'est juste pour vous épargner, parce que sinon, la vidéo va durer des heures et des heures. Je crois pas que c'est ce que vous souhaitez. Gardez quand même en tête hein, que c'est un tirage général et collectif. Donc, si vous ne voulez pas me voir placer les cartes, ben, vous aurez tout simplement à avancer la vidéo. Et sinon, ben, vous allez voir que vraiment, je choisis carte par carte pour chacune des maisons et des mois. Donc, je fais la mise en place, puis on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Les amis, j'ai fini de disposer toutes les cartes. Je vais vous les montrer au moins mois par mois, bien sûr, et maison par maison. Quand je vais vous mentionner les mois, sachez que c'est autour d'eux, hein, le temps étant ce qu'il y a de plus impermanent. Ça peut être plus ou moins dépendant. Donc, on va commencer pour vous, les Sagittaires, avec la maison du soi-même. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Wow! On part bien quand même. On a l'étoile. On a la justice ici. On a le fou magnifique, le jardin. Et on a la distance. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire,
tout ça ensemble. Déjà, l'étoile, ben, nous dit que vous êtes dans un esprit d'avoir de l'espoir, de la foi. Vous souhaitez que les choses deviennent plus harmonieuses dans votre vie. Ça nous parle, oui, de protection, de projets heureux. Vous avez probablement des projets de souhaits. Hein? C'est comme, en fait, l'étoile, c'est les souhaits aussi qui peuvent se réaliser. Donc, vous avez des projets heureux, vous avez des souhaits, des choses que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment l'espoir qui revient. Si vous l'aviez perdu, cet espoir revient. Vous allez vivre en harmonie avec vous-même, puis vous allez jouir d'une bonne protection. Parce que c'est comme si ça vous était dû, avec ici la carte de la justice qui nous parle d'un équilibre. Donc, vous allez retrouver une sorte de plus en plus d'équilibre dans votre vie, plus de peut-être de justesse, d'équité par rapport à vous-même, mais par rapport plus à vous-même, parce qu'on est dans la carte du soi-même, mais tout ne tourne pas non plus autour de nous, possiblement plus aussi de d'équilibre, d'équité, de justesse avec les gens qui vous entourent. D'ailleurs, ici, je dois vous dire que s'il y en a qui ont quelque chose en instance de justice, écoutez, gardez la foi, hein? Gardez la foi parce que la justice, il faut savoir qu'elle fait toujours prévaloir la vérité. Donc, si vous êtes dans la vérité, vous n'avez rien à craindre. La justice va être en votre faveur. Gardez la foi, gardez l'espoir. Vous êtes protégé. La vie, elle est avec vous, d'autant plus que vous avez le fou qui dit « J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. » C'est comme tout cet espoir-là, cette envie peut-être même de plus de justesse dans votre vie, d'avancer selon ben, vos principes, vos valeurs, vos envies, vos désirs, vous donne comme une envie de sortir de votre zone de confort, d'autant plus que vous avez le jardin ici, qui pour moi parle de tous les endroits où on peut rencontrer des gens, que ce soit pour le plaisir ou que ce soit pour les affaires, mais c'est, vous êtes vraiment ouvert ici à rencontrer des gens. Le fou, il part avec foi, avec confiance en la vie. Hein? Il part aussi d'une certaine façon, en toute innocence, en laissant derrière lui tout ce qui l'empêche d'avancer. Et il avance de façon innocente, mais en fait, c'est parce qu'il avance sans préconçu, sans se dire qu'il sait tout, qu'il connaît tout. Puis que c'est juste qu'en prenant un nouveau chemin, tout va se placer. Non, non, il prend un nouveau chemin pour partir d'une nouvelle façon, pour partir d'un pas neuf, comme s'il ne connaissait rien, en étant ouvert à apprendre et à écouter ce que les gens lui disent, pas nécessairement de faire tout ce que les gens vont lui dire. Mais si je vous disais que l'idée du tarot, dans le fond, c'est que le fou rencontre chacun des personnages durant son périple. Et il apprend de chacun des personnages, en fait, des cartes majeures. C'est ça, le fou. C'est le personnage principal de ce que le tarot peut nous apporter, peut nous faire appréhender. Mais ici, c'est vraiment tout bon, là, parce que vous partez dans le soi-même, ça, c'est autour du mois d'avril. Mars, c'est sous la planète Mars. La maison 1, elle est dans la planète Mars. Donc, vous partez avec foi, avec espoir, en toute justice, en connaissance de cause. Peut-être aussi en décidant d'être vraiment de plus en plus dans votre vérité, dans qui vous êtes profondément à l'intérieur de vous, avec, comme je vous disais, vos désirs, vos valeurs, vos principes, vos besoins. En vous laissant aller, en lâchant prise, c'est ce qui fait aussi le fou. Il lâche prise sur ce qu'il y a déjà. Il garde des bonnes choses, il ne jette pas tout par-dessus bord, mais il est ouvert à apprendre, à faire de nouvelles rencontres, à s'expandre. Puis ça va vous peut-être vous demander plus de distance, en fait, d'aller plus loin que ce que vous projetiez. Peut-être que ça va vous demander d'aller à l'extérieur
de votre ville, de votre quartier, mais ça va peut-être vous demander d'aller, de parcourir plus de distance que ce que vous aviez prévu après ma barre, parce que vous avez quand même des projets heureux. On va aller voir plus loin avec la maison 2, qui est la maison des finances. Qu'est-ce que toutes ces cartes veulent vous dire? On débute avec le jugement. Wow, on a le 3 de coupe, on a le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fouet et on a le rêve. Bien déjà, le jugement nous parle de grandes nouvelles, hein, de changements, de décisions heureuses. Et par rapport à vos finances, donc vos problèmes financiers vont s'atténuer petit à petit avec le temps. Laissez le temps faire les choses. Ici, quand on parle des finances, ben oui, ben on parle de vos argents, on parle de vos gains, ceux qui font peut-être des placements, des investissements, mais en ayant du jugement, hein, ça le dit tout de suite, en prenant le temps, petit à petit, en faisant les bons placements, les bons investissements, parce que comme une reconnaissance là, de vos efforts. Et ça vous permet de, j'ai le sentiment, de restabiliser parce qu'on parle du 3 de coupe, qui est la joie, qui est le bonheur, le 3 de coupe, que vous n'êtes pas seul non plus, que si vous avez besoin de conseils, vous avez des amis autour de vous. Le 7 d'épée, on dit que je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Vous allez arrêter aussi peut-être de vous auto-flageller, c'est ce que j'ai le sentiment. De vous punir peut-être pour certaines erreurs que vous avez faites, peut-être des mauvais investissements, des mauvais placements qui n'ont pas donné les résultats que vous escomptiez. Mais là, tranquillement, le bonheur financier, si je peux dire, parce que vous allez prendre des décisions heureuses, vous allez créer du changement, mais lentement, pas tout de go, à partir autour du mois de mai. Et vous allez pouvoir, ben, vous allez avoir même envie de festoyer, de vous amuser. Puis c'est important, hein? Il faut comprendre que dans la vie, c'est bien d'œuvrer, d'avancer, de s'expandre, de croître, mais c'est important de s'amuser pour se ressourcer, pour se libérer, pour faire retomber certaines, je me plais à dire, certaines vapeurs, mais peut-être certaines. Des fois, des décisions qu'on a à prendre, qu'on n'est pas prêt encore, on a besoin un petit peu de temps, mais il faut se laisser le temps. Et dans le fond, d'accepter les erreurs que vous avez pu faire, les épreuves que vous avez pu rencontrer. Je dis les erreurs, mais vous savez que pour moi, ce sont des apprentissages. Vous avez appris quelque chose, vous cessez de vous dérober, peut-être de rejeter la faute sur quelqu'un ou sur des situations, des événements, c'est à cause qui est arrivé ici, peut-être patata, mais vous savez, on est responsable des choix qu'on fait, des décisions qu'on prend, même si c'est des choix de placement, d'investissement, qu'on risque notre argent, c'est un choix qu'on a fait de le faire. En sachant très bien qu'on pouvait perdre comme on pouvait gagner, on a pris un geste, faut l'assumer. Et arrêtez de vous flageller, de vous punir, de vous quereller avec vous-même à cause de vos finances, mais de poursuivre vos rêves d'expansion, de grandir. Et de toute façon, dans l'étoile, ici, on le sait aussi, hein, qu'on parle d'un souhait réalisé. Donc, faites vos souhaits, j'ai envie de vous dire, mais en acceptant déjà peut-être certains choix moins judicieux que vous auriez pu faire, bien déjà ça va vous permettre de vous alléger puis de mieux avancer. Avec la maison 3, c'est la maison de la famille, mais c'est la maison, oui, des frères, des sœurs, de vos parents. On a la carte, ça peut être aussi votre vie intellectuelle, vos études primaires, certains de vos déplacements. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Wow, on a la force, on a l'as d'épée, on a les amoureux, on a l'ancre et on a l'examen. Que des belles cartes. Parce qu'ici, ça me parle que vous avez confiance en votre famille. Bon, ça peut avoir l'air
acquis un automatisme, mais non, pas dans toutes les familles, je vais vous le dire. Mais il y a des membres de votre famille ici qui vont tenter de s'affirmer plus ouvertement. Ils vont prendre plus leur place avec cette carte de la force. Soyez quand même à leur écoute. C'est important qu'est-ce qu'ils ont à dire. Parce il y a quelqu'un, en tout cas dans votre famille, qui est mal dans sa peau, puis qui a besoin d'en parler, qui a besoin d'avoir une écoute attentive, puis vous avez la capacité de le faire. Donc, ça va nécessiter bien, votre compréhension peut-être plus que les autres, parce que peut-être que cette personne-là a le plus d'affinité avec vous, elle est peut-être plus près de vous. Donc, si vous ne lui accordez pas ce temps, bien, peut-être que la personne elle va avoir plus de difficultés à passer au travers de son mal de vivre. Et ça risque de l'éclairer. Que vous preniez le temps de l'écouter avec cette tasse d'épée, ça nous parle de la clarté d'esprit. Ça va lui permettre, en se racontant, ben, de voir la vérité de sa situation et lui apporter aussi un éclaircissement mental. Voyez-vous, avec les amoureux, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit. Je fais mes choix en conséquence. Ça va probablement libérer son cœur pour faire des bons choix pour sa vie, malgré le fait que cette personne-là, elle est mal dans sa peau. Ça peut vous éclairer, vous aussi, au fur et à mesure que cette personne-là va se raconter, à peut-être mieux comprendre certains de ses agissements. À être, ou vous aussi, dans votre cœur, d'accueillir son histoire avec votre cœur, sans jugement. Et ça va lui permettre de se sentir beaucoup plus stable, ça va le rééquilibrer, mais vraiment fortement, hein. Une ancre, c'est tellement lourd. C'est comme si la personne va retrouver à s'ancrer dans sa vie. Ça y apporte une réussite, un succès. Je sens que ça va comme le libérer, ça va être libérateur, il va se sentir comme plus à sa place. C'est comme si la personne ne se sentait plus à sa place, qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas de place dans le monde, qu'elle n'a pas de place dans sa propre vie. Et peut-être qu'elle ressent qu'elle n'a pas de place même dans la famille. Peut-être que jusqu'à présent, elle ne s'est jamais sentie suffisamment écoutée. On va aller voir au niveau de votre foyer, là où vous vivez. Oh, vous vivez en paix et en harmonie. Bon, si vous êtes seule, ça veut dire que c'est plus facile. Je rigole un peu, je vous taquine, mais le pape, c'est ce qui signifie, hein, la sagesse, l'honnêteté, le respect. La bonne communication, hein, l'harmonie dans le fond, en quelque part, la sagesse aussi. Donc, si vous possédez une résidence, vous aimez vous retrouver dans le confort de votre maison parce que vous vous sentez en pleine sécurité chez vous. Si vous possédez pas de demeure à vous qui vous appartient, possiblement que ça serait que. Ça ne saurait tarder, il y aurait une possibilité ici d'acquérir votre propre maison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, l'as de coupe. Ici, il y en a deux qui ont voulu venir. On a l'as de coupe, pardon, l'as de bâton. Je lisais l'autre carte en même temps. Le 10 de coupe, waouh, la justice, magnifique. L'ours, la famille. Ben écoutez, la famille, sur la famille, dans le fond, hein, parce qu'ici, on parle de votre famille, la maison, votre foyer, c'est où vous vivez. Ben, écoutez, vous avez que des belles cartes. Donc, ici, on parle que de paix, d'harmonie, de bonheur, de sérénité, de bonne communication dans la famille, si vous en avez une. Si vous êtes seul, ben écoutez, déjà c'est bien, vous vous astinez pas vous-même, mais vous savez, il y en a qui ont des conflits à l'intérieur d'eux, hein, qui sont mentaux. Donc, non, il n'y en a pas ici, tout va bien. Il
Parce qu'il y a comme une nouvelle passion qui se dévoile à vous avec l'as de bâton. En tout cas, quelque chose de nouveau, un élan. Serait-ce l'élan pour acheter votre maison? Possible, parce que le 10 de coupe, sa petite maison dans la prairie, on nous parle encore d'harmonie, de bonne communication, d'honnêteté, de respect, que chacun fait ses tâches, c'est vraiment chacun, il y a une belle entraide, hein? Ici, on vous dit, je trouve une issue favorable à ma situation, j'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Et effectivement, et avec la justice, ben, on retrouve cette idée d'équilibre, hein? Ça va vous apporter plus d'équilibre, certainement plus de joie, parce que quand on est en équilibre, on est bien, on est en paix, on est serein. Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Le 15, l'ours qui nous parle ben, de force, mais de puissance, mais nous parle aussi de faire grandir ce qu'on a déjà. Avec, c'est un peu comme pour moi la force tranquille, hein, comme la carte ici de la force. De dompter votre instinct primaire, vos impulsions. Oui, parce que vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus dans la vérité, dans la justesse de qui vous êtes, autant envers tous les membres de votre famille que vous-même. Donc, il y a une puissance ici qui se crée au niveau familial. Je ne peux pas l'inventer. La famille est tissée serrée, j'ai envie de dire. C'est une notion qui est très importante pour vous. Bien là, je vous dirais, les Sagittaires, jusqu'à présent, vous avez que du bon, hein? C'est magnifique. Juste des bonnes nouvelles, je trouve. On va aller voir avec la... Oups, pardon, je suis en train d'emmener tout le racking, permettez-moi l'expression. La maison 5 qui parle ben, de vos enfants, si vous en avez, et des liens affectifs. Mais ça peut parler, pour ceux qui sont célibataires, de vos loisirs, de votre liberté. Oh, la papesse qui nous parle, ou la grande prêtresse qui nous parle d'intuition, hein, de se laisser imprégné par ses intuitions, de les suivre parce qu'elle est en quête de vérité. Elle observe, elle étudie ce qui se passe autour d'elle. Elle peut parfois dévoiler certaines choses. Donc ici, c'est comme si vous étiez conscient, consciente de l'importance des liens qui vous unissent à votre famille et vous allez rechercher le plus souvent possible la compagnie ben, de vos enfants, en fait, de votre famille, très proche, parce que vous êtes doué aussi d'un grand apprentissage, j'ai le sentiment que vous êtes souple, que vous êtes adaptable, puis vos enfants vont être populaires aussi auprès de leurs camarades de classe. On a ici le 3 de denier, bien c'est parce que vous, peut-être que vous apprenez à vos enfants à s'aligner par rapport à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils se disent, puis ce qu'ils font, hein, d'être bien ancré, puis d'être en cohérence avec leur propre alignement. Le roi de coupe, magnifique carte, hein, qui avance dans la vie sans s'en laisser imposer de par ses émotions ou de ses sentiments, mais plutôt en se laissant guider. Je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Oui, on l'a vu, hein, de toute façon, dans le foyer, qu'il y a une attention, il y a une compassion aussi. Oui, il y a de la sagesse certainement avec le pape et même la papesse ici, c'est une femme très sage, qui, contrairement au pape qui... ils ont un peu la même essence, mais le pape, il transmet des connaissances normalement où on apprend des choses, tandis que la papesse, on a la connaissance parce qu'on est connecté, tout comme le pape d'ailleurs, avec l'univers, mais ça nous permet de dévoiler certains secrets, de voir plus en nous en nous fiant à notre intuition qui nous vient de l'univers. Le lys qui nous parle de pureté. Et on a la projection. Il y a peut-être un de vos enfants, il y a peut-être quelqu'un dans la vie familiale qui projette, qui fait de la projection, qui se défait de certaines responsabilités, qui envoie ça, qui envoie la balle à l'autre. Hein. On l'avait vu plus tôt,
Il y a quelqu'un qui est porté à faire ça. C'était dans les finances, hein, parce qu'ici, on parlait du 7 d'épée, de se dérober, de cesser, pardon, de se dérober, puis d'affronter. Mais ici, c'est un peu la même chose, la projection. Il y a quelqu'un, peut-être dans vos enfants, qui est porté à rejeter la faute sur les autres ou de rejeter la faute sur des situations oups, ou d'événements, pardon. Mais c'est comme en toute pureté, hein? C'est peut-être un petit manque de maturité, parce que le lys nous parle aussi de manque de maturité, ça nous parle aussi de noblesse, de sagesse, de vérité, d'honnêteté, de fiabilité. Je sens ici que c'est par manque de maturité que cette personne-là fait ça. C'est comme si il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, puis peut-être pas encore à 100% alignée avec elle-même. On va aller voir au niveau de votre activité professionnelle, de votre quotidien, de ce que vous faites à tous les jours, hein, dans le fond, nos obligations, le travail qu'on fait pour amener du beurre sur le pain. On a la carte de la justice. Bon, on est encore dans l'honnêteté, les papiers légaux, la vérité. Des décisions justes et équitables. On vous dit que votre vie professionnelle elle est sous le signe de l'équilibre, hein, de la vérité et de la stabilité. Que aucun changement qui est à prévoir pour cette année en ce qui concerne votre milieu de travail, c'est stable, ça reste tel que tel. Il y a quand même des choses qui vont avancer plus rapidement, hein? On parle de synchronicité ici avec le 8 de bâton. Peut-être qu'il y avait des choses qui stagnaient, qui étaient en arrêt un petit peu au niveau du travail, mais là, les choses vont reprendre si c'était le cas. Ou en tout cas, il pourrait y avoir de belles opportunités qui arrivent à vous. D'autant plus que vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier qui suppose que, de par vos travails, de votre travail, des actions que vous avez mises au travail, vous pouvez profiter pleinement du fruit de votre travail, que vous vous imprégnez de vos énergies d'abondance, dans le fond, que vous profitez de vos acquis financiers. Peut-être pour ralentir, mais avec le 8 de bâton, j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer. Mais en même temps, ça va mieux avancer. Ça va être plus fluide. Ça va rouler comme sur des roulettes, hein? Ça va vraiment bien avancer. Ça peut parler de distance aussi, d'avoir à faire de la distance concernant le travail. D'ailleurs, on l'avait dans le soi-même. Ça peut même parler d'un voyage en avion. Je ne sais pas ce que vous faites, mais peut-être est-ce que vous devriez aller à l'étranger, mais pour votre employeur. Ici, on a vraiment une satisfaction. Donc, au niveau financier, j'ai le sentiment que ça reste comme c'était. Il n'y a pas trop de changements. Il y a peut-être quelque chose que vous allez. C'est trop drôle, hein? Les cartes sont tombées sur les maisons. C'est fou, hein? Ici, on a la carte du travail. Voyez-vous, avec tous les rouages, j'ai envie de vous dire, puis avec le 8 de bâton, que tout roule comme sur des roulettes. Tous les rouages sont bien huilés. Ça avance, ça va bien. On fait notre bonhomme de chemin. On découvre peut-être des choses avec le livre où on apprend des choses sur notre travail. Ça se peut, mais en général, il n'y a pas trop de changements. En tout cas, malgré ce qu'il pourrait avoir, en fait, je devrais dire, comme changement, la stabilité reste. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est ça, au niveau de votre travail. Il n'y a pas d'inquiétude que vous perdiez votre travail ou que vous changez d'emploi ou peu importe. C'est plutôt stable à ce niveau-là. Mais les choses s'accélèrent. Ou peut-être un voyage d'affaires. Déjà financièrement, vous semblez relativement bien. On peut peut-être devoir apprendre des choses, découvrir des choses concernant l'activité professionnelle. On va aller voir au niveau du conjoint, de la conjointe, des associations, des partenariats, des unions. On a l'empereur qui nous parle, qu'on prend ses responsabilités, qu'on est responsable, qu'on fait des actions réfléchies, puis qu'on est un leader. Hein? Si on parle plus de partenariat,
partenariat, pardon, d'affaires, de signature de contrat, de choses comme ça. Faites attention en relation de ne pas trop être autoritaire malgré tout. Donc ici, c'est quand même une union qui est basée sur quelque chose de solide, hein? L'empereur, c'est un homme qui est solide, c'est un socle, c'est quelqu'un qui est responsable. Donc, on parle encore ici d'une relation stable, durable. Si c'est pas en amour, c'est la même chose. Hein? Pensez que ce soit une association, que ce soit un partenariat d'affaires, c'est la même chose. Votre conjoint aussi, votre conjointe est capable de prendre sa place et elle apprécie le faire. Elle ne se laisse pas influencer ni manipuler par qui que ce soit, ni par vous d'ailleurs. Et ici, on a le 2 de bâton, donc on fait déjà des projets aussi pour expandre. Je ne sais pas si la relation, ça fait plusieurs années, mais quand même, on a des idées hein, de s'ouvrir, d'agrandir avec le jeune homme ici qui tient la terre entre ses mains. Donc, le 2 de bâton, c'est qu'on regarde de quelle façon est-ce qu'on peut faire croître notre relation affective, amoureuse ou partenariat d'affaires. Oh, on s'en va vers plus d'enrichissement, je devrais dire ça comme ça, avec le 10 de denier, hein, parce que vous entrez dans un cycle d'abondance, puis vous allez concrétiser vos projets avec succès. Donc, ça va être l'abondance aussi en amour, ça va bien aller, ça va être en harmonie, parce qu'on reconnaît qui vous êtes, on reconnaît vos talents, vous avez juste des belles cartes, c'est fou les Sagittaires. On reconnaît vos talents, vous vous fiez probablement aussi un peu à votre intuition pour prendre des décisions, puis elle est bonne votre décision, parce qu'elle vous permet une évolution. Tout grandit dans le fond, tout croit, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau amoureux, sentimental. Wow, wow, wow! Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais jusqu'à présent, hein, puis là on est rendu au mois d'octobre en fait. Donc on avait, j'ai oublié de vous le dire, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. De toute façon, moi, je vous conseillerais peut-être même de mettre cette vidéo-là, de l'enregistrer. Vous allez dire que je prêche pour ma paroisse. Mais en quelque part, si vous voulez y revenir de mois en mois pour voir qu'est-ce qui s'est peut-être passé ou qu'est-ce qui pourrait se passer. Parce que c'est les énergies quand même principales, mais en lien aussi avec les maisons astrologique. Donc, puis d'aller voir, hein, moi je vous conseille d'aller voir aussi sous vos autres signes, ça va vous donner un complément d'information pour votre année 2025 incroyable. Dans la maison 8 qui nous parle de mortalité, mais aussi j'aimerais mieux dire la mort, des argents extérieurs, ben vous avez la carte 13, vous avez la carte de la mort, la carte de la transformation dans le fond. Peut-être que pour certains, il pourrait avoir un décès qui va toucher votre famille. Ça ne veut pas dire que c'est directement la famille, mais ça peut être la famille élargie. Mais en tout cas, ça touche la famille. Ça peut être quelqu'un de proche que vous aimez tout particulièrement. C'est aussi une fin de cycle. C'est un nouveau départ hein, pour quelque chose de mieux. Comme on parle des argents extérieurs, ça peut être des argents qu'on a gagnés au loto. Ça peut être un retour d'impôt, des choses comme ça. C'est vraiment de l'argent qui nous arrive d'une façon inattendue. Donc, ça suppose aussi les héritages. Donc, pour ceux qui ont un décès, vous m'envoyez attristé. J'aime pas ça parler de ça, mais c'est une possibilité. On a quand même cette maison 8 qui parle de mortalité. Puis, on a la carte de la mort. Et ça, c'est autour du mois de novembre, vers la fin 2025. C'est quand même relativement loin. Sinon, c'est un nouveau cycle. Hein? C'est quelque chose qui se termine, qui apporte une transformation. Oui, bien, avec l'étoile, encore une fois, hein, notre étoile ici qui nous parle ben, d'espoir, d'harmonie, de projets heureux, de protection, de souhaits réalisés, de foi, d'avoir la foi aussi, beaucoup avec la carte de l'étoile. On a le cavalier de bâton. Voyez-vous, vous êtes prêts à l'aventure, à avancer pour avancer vers, à suivre vos impulsions, vos désirs, vos envies. Je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes.
Dans le fond, vous, parce que le cavalier de bâton, il a un petit peu tendance à avancer sans trop réfléchir parce qu'il est tellement poussé par ses pulsions qu'il se met en action rapidement. C'est le danger. Donc, ça nous dit que les choses vont avancer puis qu'ils vont apporter une certaine récolte. On parle de séparation, ben oui, vous allez comme avec la mort vous séparer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Hein. La mort nous parle de transformation, de quitter ce qui est déjà mort, pas nécessairement un défunt, mais de ce qui est mort dans votre vie, de ce qui vous empêcherait peut-être de réaliser jusqu'à présent tous les magnifiques projets que vous avez eus. C'est fou, moi je trouve, tout ce que vous avez eu de vraiment de bénéfique. Plus que même satisfaisant. Donc, ça vous demande de vous séparer de quelque chose pour pouvoir récolter. Je vous dirais que bien souvent, c'est d'accepter ce que la vie nous amène, surtout quand on n'a pas le contrôle dessus, parce que c'est un peu ça, la carte de la maison 8, hein, c'est pas, on n'a pas de contrôle sur les choses qui prennent fin et sur ce qui doit commencer. La maison 9, qui nous parle de la justice, de vos dons, de vos acquis. Oui, des sens de culte, mais c'est plutôt les apprentissages. Ça peut parler aussi de voyage. Et on a l'impératrice, bien l'impératrice, hein, qui est la carte de la croissance, de l'abondance, du pouvoir d'intelligence. Ça nous parle de stabilité. Ça nous parle aussi qu'on aime le contrôle. Mais ça vous parle que vous pourriez rencontrer l'amour en voyage pour ceux qui sont célibataires. Ou si vous avez déjà un conjoint, ben le voyage ici projeté pourrait se faire avec votre amoureux, votre amoureuse. Il n'y a aucun problème juridique, n'ayez pas peur, qui va venir assombrir votre vie avec cette magnifique impératrice, comme je vous dis, qui parle d'abondance, de croissance dans votre vie en général. Qu'est-ce qu'on a, la grande prêtresse encore, de vous fier toujours à votre intuition, notre trois de coupe qui revient, qui nous parle de joie, de bonheur, qu'on avait, si je ne m'abuse, ici, non, c'est pas ici, ah, c'est ici, dans les finances, on avait le trois de coupe. Ici, avec ce jeu, il nous dit, je me nourris des moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. D'autant plus ici qu'il y en a qui ont la chance de faire une nouvelle rencontre. Wow, ben oui, parce que là, on a l'homme ici, hein, on a le consultant. Pour moi, ça peut être la consultante. Donc, il y a vraiment une rencontre ou en tout cas des communications avec la carte de la parole. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de communications, mais j'ai le sentiment des communications joyeuses, mais aussi nourrissantes et peut-être plus profondes, plus inspirantes que vous le pensez. Avec cette impératrice qui parle, comme je vous dis, de croissance, hein, d'abondance. C'est pas seulement l'abondance financière ici, j'ai le sentiment, c'est l'abondance, et vous allez être comblés, j'ai le sentiment, dans cette nouvelle relation qui arrive pour vous. Sinon, ben pour les gens qui sont déjà en couple, on a vu que ça reste bien, qu'il y a une chance de faire un voyage. Suivez votre intuition durant votre périple. Sachez vous amuser puis avoir des communications. Le vous laisser porter en quelque part un peu par la vie durant ce voyage. On va aller voir la maison 10, qui est la maison la plus importante du jeu, puisqu'elle parle de votre destinée et cette maison-là, elle est vraiment pour toute l'année. Et c'est le mois de janvier, donc c'est tout bientôt. Ce de quoi elle veut vous parler. Donc, c'est votre destinée. On va l'observer un peu avec la maison 1. Je vais détacher les cartes pour m'aider. Mais c'était que du tout bon, hein, qu'on avait ici, la foi, garder la foi, la maison Dieu. Bon, qui parle de bouleversement, qui parle de chamboulement. C'est la maison aussi de vos ambitions, de vos réalisations, de votre réussite sociale. Donc, avec la maison Dieu, on ne se le cachera pas, ça nous parle de chamboulement, ça nous parle de changement. Et c'est pas toujours non plus
négatif, hein? Faut le voir du bon côté. C'est comme s'il y a un ras-le-bol, mais cette année, hein, c'est parce que c'est en 2024 probablement que vous en avez un certain ras-le-bol, mais là, on voit que 2025, waouh, ça va être comme magique. Peut-être une mésentente, je sais pas moi, peut-être au niveau avec les amis ou peut-être avec la famille, mais écoutez, on le sait, hein, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, ça peut pas être toujours parfait, malheureusement, mais de toute façon, on s'ennuierait, ça peut être toujours parfait si il y avait jamais un petit peu de... Je suis pas en train de dire que c'est le fun de se disputer, mais je le verrais plus comme des challenges. Ici, on a le 9 de coupe, magnifique. Donc, la 9 de coupe nous parle de fierté, d'accomplissement, d'une réalisation de souhait en passant, puis on l'a ici, le souhait. Moi, j'ai l'impression que la maison Dieu va peut-être venir ébranler quelque chose. J'ai le sentiment que votre année 2024, elle n'a peut-être pas été à la hauteur de vos espérances, mais là, jusqu'à présent, avec tout ce qu'on a eu, ça va vraiment changer, hein. Il y a vraiment un souhait qui se réalise. C'est comme si vous vous prenez plus en main aussi, avec les cartes qu'on a eues dans le soi-même. Que tout redevient plus équilibré parce que vous êtes protégé. Et malgré cette carte de la maison Dieu, hein, c'est la maison Dieu, ben vous êtes quand même protégé. Oui, ça se peut que ça vous crée un choc, que vous allez être bouleversé. Ça se peut, oui, que certains, il y a une séparation, mais ça ne veut pas dire ici que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un de nouveau. D'autant plus qu'on vous en a parlé avec la maison au mois de décembre, ici, la maison neuve. Oui, ça fait loin, mais ça fait quand même un tournant ajusté par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose qui vous bouleverse émotivement parlant, pour lequel vous devez lâcher prise, hein, comme le fou, ça vous donne rien de vouloir retenir. De toute façon, vous n'allez pas tout perdre. Ce qui était déjà solide va rester. Puis à partir de là, vous allez pouvoir reconstruire, être fier de vous, réaliser un souhait. Avec la reine de denier, bien, elle nous parle de stabilité et d'abondance. Ici, elle vous dit, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Peut-être que ici, s'il y a un deuil, parce que ça peut nous parler de ça aussi, la maison Dieu, bien, peut-être que vous allez vous souder encore davantage avec la famille, parce que vous allez devoir faire le pont entre... Ben, prendre soin de vous et de votre entourage et de l'instabilité qui est créée par cette maison Dieu. Ça va être à vous de faire le pont, de relier ces deux états pour vous permettre d'avancer plus facilement, avec plus de légèreté, puis d'accepter ce que la vie vous envoie. On va aller voir au niveau de vos amis, de vos connaissances. De votre entourage, ça va être pour le mois de février. Ben, c'est l'harmonie. Tout va bien avec cette carte de soleil. Hein, c'est les opinions aussi, les projets, les associations, les espoirs. Mais là, avec le soleil, vous êtes entouré de très bonnes personnes, de très bons amis en qui vous pouvez avoir confiance. Peut-être que pour certains, pour avoir... Que vous receviez dans le fond une invitation pour un mariage. Hein? Le soleil, c'est le positif, c'est le oui, tout va bien, c'est chaleureux, c'est harmonieux, c'est le bonheur, on s'épanouit, on réussit nos échanges avec nos amis, avec notre entourage. Alors peut-être que vous allez découvrir des choses avec cette lune ici. Hein. Il y a peut-être que il y a des choses qui vont s'éclairer par rapport peut-être des situations ou des états d'âme, des attitudes de vos amis que vous allez apprendre à découvrir, à mieux connaître avec cette carte de la Lune ou avec le roi d'épée, sur peut-être une plus grande sagesse que vous pensiez
de votre entourage, hein, parce que le roi d'épée, c'est un homme qui est très sage, c'est un homme qui est juste, qui est équitable, qui est un peu froid, mais lui, des décisions difficiles, il a pas peur de ça. Il est toujours comme éclairé en quelque part, hein, ça, c'est comme s'il maîtrisait vraiment les pensées claires, hein, ça, lui, à l'intérieur de lui. Son mental, il est clair. Il y a pas de brume là-dedans. Au contraire. Donc, vous allez peut-être en apprendre davantage sur quelqu'un en particulier dans votre entourage. Ici, avec le, il prend c'est quelqu'un aussi qui prend des décisions difficiles d'une façon, bien plus facile peut-être que d'autres personnes normalement. J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi avec le 6 d'épée. Oui, on quitte une situation peut-être un peu houleuse pour aller vers quelque chose de mieux, mais ça va être un peu difficile. Il peut avoir du retard. En tout cas, vous allez devoir trouver le moyen de traverser la montagne ou de la grimper, de la contourner, peu importe. Mais vous pouvez attirer à vous, ben, tous les amis, les entourages dont vous aviez envie, mais de ce que vous avez envie aussi. Ça peut être cette personne-là aussi qui va vivre cette difficulté-là, malgré sa sagesse. Mais il y a comme quelque chose, une compréhension nouvelle qui va se faire pour vous par rapport à vos amis, mais c'est une belle découverte, là. C'est quelque chose de positif. On va aller voir avec la dernière maison qui nous parle, bien, de la santé à long terme, des choses, des épreuves, des choses qui nous sont cachées. Oh, ben, on vous parle quand même d'avancement, hein, avec le chariot. C'est le succès. Les choses avancent bien. Votre santé, ne pas vous inquiéter. Elle est stable, mais peut-être faire attention parce qu'on a quand même un véhicule ici, un moyen de transport. Donc, soyez peut-être un peu plus vigilant quand vous êtes au volant de votre voiture. Soyez pas trop téméraire. Soyez peut-être un peu plus prudent qu'à l'habitude. En tout cas, prenez cette habitude-là, parce que ça, c'est autour du mois de mars 2025, encore une fois, plus ou moins. Puis quand je vous dis un véhicule, c'est peut-être pas juste votre véhicule à vous, hein. Bon, au mois de mars, c'est peut-être pas en bateau ni en moto, mais ça pourrait être, je sais pas moi, un skidoo, n'importe quoi qui est motorisé dans le fond. À chaque fois que vous conduisez quelque chose de motorisé, soyez prudent, prenez votre temps. Même si on nous parle de succès, mais c'est succès dans la vie en général, c'est peut-être pour nous dire aussi que votre santé, elle est stable, qu'elle est bonne, mais de faire attention à tout ce qui est motorisé. Ici, on a le roi de bâton qui nous parle, bien, de rester dans votre jovialité, votre bonheur, votre enthousiasme, votre dynamisme, avec le cavalier de coupe qui vous dit, je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut me dire. Donc, vous suivez vraiment vos désirs, vos envies, hein? C'est drette ça, le roi de bâton. Il avance selon ses désirs, ses envies, pas juste par responsabilité. Puis c'est ça que vous avez envie de faire. Oui, vous avez envie d'en terminer, peut-être avec ce qui est lourd, avec tout ce qui pouvait vous enfermer, parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont changer. Mais pour le mieux, vraiment, de toute façon, la maison Dieu, c'est tout le temps pour faire écrouler ce qui était pas solide, dans le fond, ce qui était fragile, pour que vous puissiez reconstruire beaucoup plus solidement. Donc, vous allez sortir, en écoutant votre cœur, ça va vous permettre de sortir de ce qui vous enferme, puis de créer du beau changement dans votre vie, au niveau de ce que la vie peut vous envoyer, parce que quand même, la maison, des épreuves, des contraintes, hein, des choses, la vie, des fois, qu'on ne peut pas prévoir, mais c'est du beau changement qui s'en vient. Vous avez, franchement, les Sagittaires, je suis impressionnée par la beauté de ce tirage. Vous avez juste, ou presque, des beaux messages. Moi, en tout cas, je trouve ça très encourageant. On va aller voir maintenant, on va faire le total de nos cartes du présent. Donc ici, on a notre chariot avec la carte numéro 7. On a la mort 13 qui nous donne 20. Et on a le pape avec la carte 5 qui nous donne 25. Donc on va aller voir avec le Yi King pour votre présent, la carte numéro 25. Qu'est-ce qu'elle vous apporte?
Elle vous parle d'innocence. Quel est son message? L'innocence est le symbole d'un état d'esprit naissant. Aucune influence négative ne peut l'atteindre. Elle ignore l'ambition et l'envie. En accord avec le ciel, elle agit selon sa nature profonde en limitant ses pensées au moment présent. C'est vraiment, je trouve que c'est une belle définition de la carte du fou. Parce que oui, il est dans le moment présent aussi, le fou. Il ne s'inquiète pas d'hier ni de demain. Et vous l'aviez dans votre moi. Donc, vous êtes prêt à ça, à cette innocence que je vous parlais, sans préconçu en quelque part. C'est pas d'être naïf, c'est de pas avoir de préconçu puis d'être ouvert à la nouveauté. Elle écoute toujours sa voix intérieure, ce qui lui procure une vraie richesse. C'est ce qui fait aussi le fou, parce qu'il est connecté, oui, parce que foi en l'univers, parce qu'il est connecté à l'univers. Donc, il y a foi en sa voix intérieure, il y a foi en sa petite voix intérieure, je vais le dire, en son intuition, à son cœur, à son âme, hein, parce que c'est le siège de votre âme aussi, qui vous pousse à avancer. Donc, vous êtes dans ce présent-là, c'est magnifique. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'avancer, j'ai le sentiment, puis de vous atteindre. Vous n'êtes pas dans l'ambition de comment je dirais, c'est pas que vous n'avez pas d'ambition, là, mais vous n'êtes pas dans l'envie ou le désir de dépasser qui que ce soit autre, peut-être que vous-même, dans le fond, d'avancer selon vos projets et vos envies. Pour le futur, qu'est-ce qu'on a? On a le 20 pour le jugement, le 8 pour la justice qui nous donne 28. Et on a plus la Maison Dieu qui est le numéro 16 et ça nous donne la carte numéro 44. Donc, on va aller voir avec le 44 juste ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, venir à la rencontre. Quel est le message? Soyez sincères et purs. Mais on a vu, hein, vous aviez tellement eu de cartes de justice, de jugement. Il y a beaucoup qui sont venus à plusieurs reprises. L'impératrice aussi, l'empereur d'ailleurs, qui est droit hein, dans ses bottes. Le pape, la papesse, je suis vraiment pas inquiète pour vous. Vous êtes sincères et certainement purs. On a même eu la pureté avec le lys. Vous devez être prudent lors de vos rencontres actuelles, même si elles apparaissent sans danger, mais en fait, pour vos futures rencontres, alors, il y en a peut-être qui voudraient tenter de se jouer de vous. Soyez bon pour les plus faibles et vous en serez récompensé dans votre vie future. Puisez à même votre force intérieure. Vous en avez, hein, même si elle est sortie dans la carte de la famille, de vos parents. Si cette personne-là se confie à vous, ben c'est parce que oui, vous avez une certaine stabilité, un certain calme qui se dégage de vous, beaucoup de confiance. Donc, restez sincère et ne tentez pas d'impressionner les autres. Le silence peut éviter les conflits. Oui, des fois, il vaut mieux se taire que de trop parler. Mais quoi qu'il en soit, ici, dans le fond, on vous met en garde des nouvelles personnes qui vont s'avancer vers vous, de vous assurer peut-être justement de ne pas tout dire parce que peut-être des personnes ici, vous êtes sincères et pures, mais il y en a peut-être qui l'ont vu ça puis qui veulent se jouer de ça, s'en servir. Donc, parce que oui, hein, souvent ces personnes-là, ils apparaissent comme sans danger, comme avec confiance, mais on se rend compte au fil du temps que c'est pas tant ça. Donc juste, c'est dans le fond, c'est vraiment une carte de conseil pour vous prévenir. Mais que vous allez être récompensé dans votre futur. Continuez dans le fond, j'ai envie de vous dire, de belle façon comme vous le faites déjà. Parce que vous me semblez être quelqu'un de très juste, sur qui on peut s'appuyer, sur qui est fiable, hein, l'empereur. Vous êtes quelqu'un de fiable.
Et en général, vous avez vraiment, je trouve, une belle année 2025. Donc, ben oui, j'en profite pour vous souhaiter de passer de magnifiques fêtes. Je vous souhaite la santé, la prospérité, la joie, le bonheur, l'harmonie. Bien évidemment, la paix et la sérénité. Donc, voilà ce que j'avais pour vous pour l'année 2025. J'espère que ça vous a plu. Que vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous amène des pistes de réflexion pour mieux appréhender cette nouvelle année qui arrive, qui nous parle de beaucoup de changements de toute façon déjà pour chacun d'entre nous, pour la communauté, pour le monde, avec Pluto qui vient d'entrer en Verseau pour les prochaines 20 années, pour les 20 prochaines années. Donc voilà, si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, ben, je veux vous remercier, hein, bien sûr, pour tout ce que vous manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés pour vos likes et vos commentaires que je garde toujours pour la fin parce que c'est ce qui est le plus agréable pour moi. Ça me grandit, ça me nourrit. J'aime lire ce que vous avez aimé dans les tirages, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus, qu'est-ce que vous aimez voir se réaliser pour vous. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous lire. J'adore. Donc, merci pour ça. Et ça me démontre, hein, de par ces gestes, ça me démontre de votre intérêt, de votre présence et de votre fidélité. Donc, encore merci. Faites attention à vous, amis Sagittaires, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.